verdure. Bienvenue aux rencontres de l'été 2012. Après le succès de l'édition 2011, on remet ça à l'écodomaine des Gilas, à Toucy, en Bourgogne. Vous retrouverez à travers ces images des personnes engagées et motivées qui essayent d'expérimenter le monde de demain. Débats, projections, des discussions, des réflexions et peut-être même pour vous, des idées de choses à construire. Nous sommes aux rencontres de l'été de Zeitgeist pour voir tous ces gens avec qui on communique, enfin qui je communique sur internet, mettre des visages sur les noms et les pseudos. C'est plaisant, enfin moi je suis là depuis hier et puis c'est des rencontres formidables. C'était pas gagné et camper sous la pluie c'est pas génial. Perso, moi je suis venu en vélo, voilà, il est là. Parce que je me suis dit après tout. Pourquoi venir en voiture et puis utiliser de l'essence comme je suis un fan de vélo, et ben j'ai pas mal d'entraînement, je peux me le permettre, donc j'ai un peu équipé un VTT, alors bon minimum, mais ça m'a permis de transporter entre 25 et 30 kg de matériel. Et puis ben, j'ai tout ce qu'il me faut ici, et je propose même à d'autres de profiter, j'ai une douche solaire, j'ai même pas besoin d'électricité, je recharge mon portable avec une dynamo et puis un panneau solaire, donc autonome complet. Là c'est la bibliothèque avec les différents livres que les personnes ont amenés, des ustensiles pour la méditation et la relaxation, le massage, le massage du pied, de la tête, ça c'est des boules de méditation, c'est des pierres pour équilibrer les chakras par exemple. Là aussi ça c'est les jeux, là la couture aussi, voilà. Donc là, comme vous voyez, je suis en train de refaire le fil de la lame pour que ça coupe au mieux, pour que nos chers déforesteurs, enfin nettoyeurs de l'endroit puissent avoir un outil convenable. Et là, d'après ce que je vois, ça travaille bien et puis c'est bien tranchant là. Comme vous pouvez le voir, c'est fin comme du papier à cigare. Franchement, si vous pouvez venir, n'hésitez vraiment pas parce que là, c'est magnifique, comme d'habitude, comme l'année dernière, un grand esprit de solidarité, d'entraide. Quelque chose de frais, de bon, c'est agréable, c'est très très agréable. Et un monde comme on en rêverait, fait de simplicité et d'entraide, de partage. Et on avance très très rapidement là. La joie, c'est permanent ici. Il n'y a pas... C'est tout le temps, c'est respirant, quoi. Voilà. C'est pas la défense, hein, quand vous voyez les... Ou à Paris, hein, que les gens, ils sont bordés tristes ici. Tout le monde a le sourire, tout le temps. Venez, venez.